Bonjour, je suis Liz Olivo et je vais vous montrer comment faire des tortillas, un plat mexicain. On va étaler la farine, ce sont 2 tasses de farine. L'eau, il faut que ça soit tiède. Si c'est chaud ou c'est froid, ça ne marche pas. On voit que notre pâte elle est flexible, mais pas très sèche. Pour faire des tortillas, on a besoin d'une presse à tortillas. On peut trouver sur des sites ici en France. Si on n'a pas un instrument comme ça, on peut le faire avec un rouleau à pâtisserie. Donc je vais prendre une petite feuille de papier sulfurisé pour éviter que ça colle. Elle est parfaite. La texture, elle est flexible. Ouais. Il faut que la poêle soit bien, bien, bien chaude. Il ne faut pas la laisser cuire longtemps parce qu'après ça se sec et ça se casse facilement. Et les tortillas, on les mange comme si c'était notre pain. Donc on prend un petit morceau de tortilla et on accompagne avec un plat déjà préparé. Les tortillas fait maison, et voilà. Pour plus de recettes de cuisine mexicaine, retrouvez-moi sur mon site lisolivo.com et abonnez-vous sur la chaîne YouTube Minute Cuisine.